Alors bonjour, je m'appelle Nathalie Francici. J'ai étudié en France et j'ai complété un bac en marketing et une maîtrise en gestion des ressources humaines à Paris. Je suis arrivée au Québec en 1996 et je suis membre depuis de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Et j'ai été entrepreneur pendant plus de 15 ans ici à Montréal avec un cabinet de gestion de services ressources humaines et recrutement de cadres. Alors, je siège sur plusieurs conseils d'administration au BNL et je suis aviseur pour certaines sociétés privées. Donc, mon rôle au quotidien, c'est d'être administrateur de sociétés, chroniqueuse au magazine Affaires Plus et également conférencière. Alors, au chapitre des OBNL, je siège sur le conseil de l'Institut des administrateurs de sociétés, le Cercle canadien, la Fondation de l'École de technologie supérieure, l'Ordre du Québec, Ambulance Saint-Jean et la compagnie de danse Au Vertigo, qui est une compagnie de danse contemporaine. Un conseil d'administration efficace, c'est un conseil d'administration composé de membres qui ont une expertise différente à apporter. La première chose, et en particulier dans le domaine des OBNL, c'est un CA qui a la capacité d'aller chercher différentes expertises autour de la table. Et c'est ce qui permet de créer de la synergie. C'est aussi des gens qui sont capables de donner du temps et qui s'impliquent vraiment pour la cause ou pour la mission de l'organisation. La valeur ajoutée que je peux apporter au sein d'un conseil d'administration, c'est faire la différence. Personnellement, j'ai une expertise en marketing, en communication et en ressources humaines. Alors, quand je suis assis avec mes collègues, effectivement, je peux mieux les challenger, soit les autres administrateurs, également poser les bonnes questions à la direction pour l'aider à avancer et la sensibiliser, lui faire prendre du recul. Ça, c'est vraiment ma valeur ajoutée. Mon engagement au sein des conseils d'administration sur lesquels je siège me procure énormément de plaisir. Premièrement parce que j'ai vraiment le sentiment de faire la différence, de leur apporter quelque chose, de les aider à avancer un petit peu plus loin. Et ça, quand vous avez la chance de pouvoir contribuer à l'avancement d'une cause ou de la mission d'une organisation, ça fait toute la différence pour vous et pour le conseil d'administration en question. Les conseils d'administration qui m'ont invité, au départ, m'ont invité parce que j'avais une compétence particulière, communication, marketing, ressources humaines. Donc, au-delà de mes compétences, communication, marketing, ressources humaines, j'étais capable aussi de démontrer mon intérêt pour la cause en question. Ça a été la même chose ensuite avec la danse contemporaine. J'aime la danse contemporaine, je veux faire rayonner la danse contemporaine à l'extérieur même du Québec. J'ai joint au Vertigo parce que j'avais cet intérêt-là, en plus de mes compétences et de mon intérêt pour la gouvernance. Donc oui, il y a des processus, mais il faut savoir aussi lever la main et se faire connaître. Il ne faut pas hésiter à appeler et à manifester son intérêt. Ensuite, les invitations viennent. La diversité est une grande richesse à avoir autour de la table d'un conseil d'administration. Pas seulement la diversité de genre, homme-femme, mais la diversité culturelle et aussi la diversité générationnelle. C'est important d'avoir autour de la table des gens qui représentent notre marché en termes d'entreprise ou d'organisation, de mission ou de cause. Donc si on n'est pas capable, autour de la table, au sein du conseil d'administration, d'avoir la représentation de notre société, je pense qu'on va avoir de la difficulté à être pérenne dans le temps. Une initiative comme Leadership Montréal va permettre à la population, aux jeunes ou aux moins jeunes, d'être beaucoup plus sensibilisés à l'importance de s'impliquer, à leur donner et à leur fournir des modèles d'inspiration. Et c'est ça qui va permettre, à un moment donné, de faire la différence et de faire de Montréal une place de choix. Je pense que les meilleurs conseils que je pourrais vous donner, si vous souhaitez un jour siéger sur un conseil d'administration, c'est la première chose, choisir une cause qui vous tient à cœur. Que ce soit la danse contemporaine, que ce soit du caritatif, que ce soit du monde associatif, choisissez quelque chose qui vous allume. Il faut avoir du plaisir quand on siège sur un conseil d'administration. Ensuite, il faut être capable de se dégager du temps. On ne siège pas sur un conseil d'administration juste pour le plaisir de siéger sur un conseil d'administration. Il faut donner du temps réel et de l'énergie. Alors la contribution est importante. Ensuite, il faut vous trouver un mentor, quelqu'un qui va vous inspirer, quelqu'un qui va vous aider à gagner en maturité, qui va vous apprendre aussi à faire vos premiers pas sur le conseil d'administration. Cette personne-là n'a pas besoin d'être sur ce même conseil d'administration-là, elle peut être à l'extérieur. Et ensuite, une fois que vous allez être arrivé à la table, là, vraiment en action, osez poser des questions, levez la main, vous avez des idées, vous avez une voix, sachez vous en servir.